Salut tout le monde, je suis Lilia Nasad Ourit. J'ai 5 ans, je suis dans la grande section et je suis dans la classe de Donald. Et mes 3 maîtresses sont maîtresse une Hélasie et maîtresse Essia, Mali Matinariam et maîtresse Essia et mon école s'appelle groupe scolaire en zébré. Si tu veux t'amuser, prépare-toi à bouger sans complexité. Tu vas te régaler. Et si tu aimes rigoler, tu as qu'à demander. Souké m'a fait la feuille, ça va déranger. Après avoir aimé, il faut pas relâcher. Garder le rythme dansé, il n'y a que ça de vrai. Et comme vous avez vu, j'étais en train de travailler sur le projet de l'école. Et ma maman m'a donné un petit coup de main. Et maintenant, je vous invite à venir découvrir mon école avec moi. Dans mon école, il y a... les toilettes où on peut se laver les mains. Et aussi la direction. Et l'infirmerie pour soigner les enfants qui ne sont pas bien ou qui sont malades. Et il y a la cantine où les enfants cherchent pour manger. Il y a aussi la cour de récréation. Et la classe où on travaille. Regardez ma boîte lexicale. Je l'ai fabriquée avec du papier crépin et une boîte à chaussures. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Un caddie. Une dune. Une limonade. Des dates. Avec A, ça se lit ta, comme dans le mot date. T avec I, ça se lit ti, comme dans le mot caddie. T avec E, ça se lit te, comme dans le mot limonade. T avec U, ça se lit tu, comme dans le mot dune. On passe maintenant au graphème D. Je veux vous montrer le geste graphique dans l'espace en écriture.
écriture cursive. Un trait oblique et un petit rond et une canne qui ne dépasse pas les deuxièmes interlignes. Enfin, je remercie mon école, groupe scolaire, nous a